Bonjour à tous, aujourd'hui je vais continuer à travailler ce genévrier. Donc pour les plus fidèles de la chaîne, il fait partie des premiers arbres que j'ai présentés sur la chaîne. J'avais fait une vidéo qu'on peut retrouver ici où j'avais fait une seconde mise en forme. En fait, pour refaire l'historique, c'est mon tout premier genévrier que j'ai acheté depuis que j'ai commencé le bonsaï. Je l'ai acheté dans une jardinerie en mars 2017. En fait, c'est vendu sous le nom de Juniperus media croisé Old Gold. Donc c'est vraiment un croisement entre deux espèces. C'est pas l'espèce idéale pour faire du bonsaï, hein, je le recommande pas. Par contre, ça permet d'en faire un arbre école. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire plein de choses au début. Et comme tous les débutants, bah, on achète un arbre, on a envie de tout faire en même temps. Donc je l'ai rempoté, je l'ai taillé et je l'ai mis en forme. Donc on peut voir quelques images, hein. C'était pas incroyable comme résultat, hein. C'était bon, la première fois que je posais du fil de ligature, la première mise en forme d'un conifère avec du fil de cuivre. Bon, c'est pas évident quand on commence. Mais ça m'a au moins permis de m'exercer. D'ailleurs, il y a une des branches que j'avais trop pliée, elle a fini par casser, par sécher. En fait, le feuillage a changé de couleur et j'en ai déduit qu'elle était morte. Et effectivement, là où j'avais posé le fil, il y avait eu une cassure et c'est entre deux spires. Donc ça, c'est vraiment l'erreur de débutant qui arrive souvent. Hein. C'est quand on casse des branches ou qu'on pose mal le fil de ligature, forcément, il peut y avoir des cassures. Donc ça m'a permis du coup de faire un jean, mon premier jean aussi depuis que j'ai commencé. Donc ensuite, ça nous amène à mars 2018 où j'ai fait le deuxième rempotage. Cette fois-ci dans un bac de culture aquatique. Hein, vous savez, les pots qui ont une bonne contenance avec des trous sur toute la périphérie et en dessous. Donc ça permet vraiment de bien aérer, d'amener de l'oxygène et de l'azote aux racines. Donc ça, c'est parfait pour bien faire pousser. Et je l'ai mis en forme, donc la seconde mise en forme du coup, sur la chaîne. Donc ça, c'était en décembre 2018. Depuis ce temps-là, je l'ai laissé libre sur les étagères, en pleine culture, donc arrosage, bonne exposition, mi-ombre, de l'engrais organique solide et aussi de l'engrais liquide avec le Fertile Océan. Je présente cette méthode dans cette vidéo. Et du coup, là, il s'est vraiment, vraiment remis à pousser. Là, il est en pleine forme. Il y a des tiges partout. Aucune branche est délaissée. Évidemment, à part à l'intérieur où c'est un peu plus faible, hein, forcément. Mais ça permet d'avoir du coup un arbre qui est beaucoup plus développé qu'avant. Si on regarde la première photo en 2017, il y a du changement. Mais aujourd'hui, maintenant que je l'ai suffisamment laissé pousser, j'ai de la matière pour travailler. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de refaire complètement l'arbre. Il y a plein de choses qui ne me vont pas. Notamment cette première branche ici, là, qui a vraiment une courbure un peu bizarre, qui est très longue. Et puis en plus, c'est vraiment une branche qui part d'un creux sur la ligne de tronc. Bon, c'est pas forcément interdit, c'est juste que je trouve pas ça très esthétique. Elle est très basse aussi. Ça fait que du coup, les plateaux, ils descendent en dessous du pot. J'avais pas forcément prévu de faire une semi-cascade. Et puis de toute manière, l'arbre, il monte trop haut pour faire ça. Et puis, il y a des insertions de branches aussi qui ne me vont pas. C'est-à-dire que vous avez vraiment des insertions ici, là, qui font vraiment des U, des espèces de ponts, alors que les conifères, on aime bien que ça parte droit et puis que ça descende tout de suite. Là, ça fait vraiment un espèce de U. On a ça ici, ici, et ça, c'est très difficile à corriger, donc il faut faire avec. Est-ce que je vais garder les branches? Est-ce que je vais essayer de les replier? Ça, c'est à voir. C'est une espèce en fait qui a un bois plus solide que par exemple le genévrier Itoigawa. Et du coup, les gros pliages, c'est un peu compliqué à faire et je pense que c'est même pas possible, c'est-à-dire que là, ça casse. Donc là, il va falloir vraiment que je vois ce qui est possible techniquement. La première chose que je vais faire, c'est trouver une face et puis une inclinaison. Bon, évidemment, j'ai réfléchi avant de faire la vidéo. Ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était d'exagérer ce mouvement de tronc qu'on voit là, qui part vers la gauche. Et j'avais vraiment envie d'en faire un arbre vraiment penché sur la gauche. Et après, du coup, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je le fais sur cette face et je bascule de ce côté-là? Ou est-ce que je le fais de l'autre face et je bascule de ce côté-là? Quand on regarde vraiment les deux faces, il y a vraiment une face qui est plus intéressante parce que le tronc est plus large, il paraît hein, plus large, et le tronc, en fait, revient vers nous. C'est cette face, en fait. On voit ici que le tronc est plus large en apparence que ce côté-là. Et l'avantage de cette face, c'est que la ligne de tronc, elle revient vers nous. Donc là, de profil, on voit bien que l'arbre se dirige plutôt par là. Alors qu'avant, j'avais vraiment travaillé l'arbre sur cette face, et c'est moi qui avais ramené un peu la branche sur l'avant.
Donc là, je préfère profiter de la ligne entre guillemets naturelle qui va vers l'avant pour éviter de m'embarquer dans des pliages trop importants, trop risqués. Et je vais partir sur cette face. Ensuite, pour l'inclinaison, j'ai pris un second pot. Donc c'est un pot comme ça en plastique. Je mets l'arbre dedans. Donc maintenant, il est attaché, hein, je peux le prendre par le tronc. Et je l'incline. Voilà. Et je l'incline de cette manière. Donc là, c'est bon, l'inclinaison est bloquée. Maintenant, forcément, il va falloir bien étudier les branches. Il va falloir savoir qu'est-ce que je vais utiliser comme première branche, seconde branche, les branches de profondeur, comment je vais placer la tête. Et effectivement, bah, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que là, maintenant, cette première branche qui descend, elle est plus utile parce que là, elle va vraiment vers le bas. Comme j'avais dit au début, c'est un mouvement que j'aime pas du tout. Donc en fait, cette branche, je vais la supprimer. Je vais en faire un jean. Ça va être le premier jean en bas. L'avantage aussi, c'est que si je fais un jean ici, je vais pouvoir continuer en charrie et le charrie sera vraiment en face avant. Donc ça, c'est super intéressant. Le charrie, je vais pas le faire aujourd'hui, hein, mais c'est pour me donner des possibilités plus tard pour ajouter des détails qui vont faire que l'arbre sera un peu plus joli. Donc ça, cette branche, elle va sauter. Je vais d'ailleurs la supprimer tout de suite parce que ça va me permettre de vraiment bien libérer l'arbre et d'avoir une meilleure visibilité pour la suite. Donc je prends la grosse pince. Hop. Voilà. Voilà, donc là, ça dégage vraiment le bas. Bon, ce bois mort, hein, je vais le travailler par la suite. Hein, je ne vais pas le laisser aussi long. Je vais déjà le raccourcir un peu. Prends la pince à jean pour tirer les fibres en arrière. Là, j'ai attaché ce paquet de feuillage avec un fil de ligature pour me libérer un peu la vue. Là, je pèle l'écorce. Je prends la pince à fendre. Je vais brûler rapidement les fibres. Vous pouvez voir plus de détails sur cette technique dans cette vidéo. Donc là maintenant je brosse le bois mort. Maintenant je vais placer la face avant, comme ça. On sera sûr de bien se placer à chaque fois. Alors, c'est pratique les petits fils pour se repérer. Et puis moi aussi sur la caméra, ça me permet vraiment de me positionner dans l'axe quand je veux le mettre en face avant. Alors ensuite, j'analyse les différentes branches. Donc évidemment, cette branche, c'est la première branche. C'est celle-ci qu'on va mettre en place. Il y aura plusieurs plateaux répartis et ce sera vraiment la plus garnie. Par-dessus, on aura d'autres branches. Et puis ici, on aura la tête, donc avec des branches en arrière, un peu partout, donc pour faire la tête. Les seules interrogations que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je vais faire de ces deux autres branches? Il y en a une qui est basse, qui est ici, encore un peu dans un creux. Et puis le souci, c'est que je me suis dit, comme je fais un arbre vraiment penché ici, et que vraiment la végétation est de ce côté, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup que je laisse des branches sur la partie de l'autre côté? Pour vraiment bien équilibrer, sachant que ce sera plus du tout un style Moyogi comme au début où il y avait des branches bien réparties et bien équilibrées. Là, j'ai vraiment envie de déséquilibrer l'arbre vers la droite pour vraiment bien accentuer le mouvement vers la droite et limiter les branches vers la gauche. Je me suis dit que peut-être je pourrais supprimer cette branche parce que cette branche-là, en fait, en la ligaturant, elle pourrait prendre sa place. Et pour le coup, ça ferait doublon. Donc ça me permettrait ici
de faire un jean, et cette branche ici permettra de faire des petits plateaux autour de ce jean, donc ça peut être très intéressant. Bah, le choix est fait, hein. Je vais supprimer cette branche, et ce qui serait bien, c'est qu'une fois que je l'ai supprimée, elle fasse partie de la mise en forme, donc je vais la ligaturer, et pourquoi pas la faire remonter en fait à travers le feuillage. Comme ça, il y aura vraiment une partie morte ici, et puis la partie vivante ici. Comme si cette arbre avait vraiment souffert sur cette partie-là, et que du coup, il se protégeait en se penchant vraiment sur la droite, où cette partie est en sécurité. Ouais, j'essaye d'inventer une histoire. Et ce qui est bien aussi, c'est que je me sépare d'une branche où le mouvement de départ ne m'intéressait pas du tout, donc ça conforte mon choix. Et puis je supprime. Donc là, je vais juste en fait couper juste avant la végétation, pour garder vraiment que les structures, parce qu'on verra ce que je vais faire après par rapport au jean. Vaut mieux se laisser plus de possibilités, je pense. Voilà. Et là maintenant, je pense qu'on a une idée un peu plus précise de l'arbre, avec vraiment cette première branche, avec les différents plateaux, la tête qui va être à cet endroit-là, penchée, hein, qui ne sera pas alignée sur la base du tronc, et puis ensuite, là, cette branche qui est très importante, là, qui va permettre de remplir l'avant, de faire quelques petits plateaux, et qui contient aussi la branche de profondeur, ici, derrière. Donc là, ça fera des plateaux à l'arrière. Pour ce jean-là, bah après, tout est possible, hein, je vais le ligaturer comme les autres branches, mais je pourrais très bien le relever vers le haut, le faire traverser le feuillage, ou au contraire, le laisser comme ça en descente vers la droite, ça c'est totalement possible, je verrai ça avec la ligature, et de toute façon, c'est du bois mort, donc on va pouvoir même le casser, c'est pas grave. Alors maintenant, je vais écorcer cette partie-là, donc là pour ça, j'utilise la pince à jean, et puis j'écrase l'écorce, ça va me permettre d'enlever l'écorce beaucoup plus facilement, ça la décolle en fait. Ensuite, on fait des rotations comme ça, et ça permet vraiment d'enlever les morceaux comme ça, facilement. Voilà, donc c'est bon, la branche elle est écorcée, on va pouvoir ensuite la modifier comme on veut. On se retrouve avec maintenant trois branches principales, la branche de tête, la branche arrière et avant, et puis la branche principale. Normalement avec tout ça, on va pouvoir construire l'arbre correctement, on va essayer en tout cas. La prochaine étape maintenant, ça va être de faire une sélection des branches. On va pas tout garder parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez comment ça pousse, ça sert à rien de garder autant de choses. Et puis si on garde tout en compact, il n'y aura plus de lumière qui va pénétrer et en fait on va se retrouver toujours avec des flèches à l'extérieur et tout l'intérieur va être délaissé et va mourir. On a énormément de flèches, d'ailleurs ces flèches elles permettent d'allonger la branche. Par exemple là, si on regarde cette branche là, avant ça s'arrêtait ici, mais on voit que maintenant avec les flèches on produit de la matière et du coup bah, on peut faire des branches qui peuvent descendre plus bas qu'avant. Donc c'est vraiment une élongation des branches. C'est l'arbre qui grandit, tout simplement. Donc la prochaine étape, on va se rapprocher et on va faire une sélection du feuillage. Je vais faire quelques exemples et puis je ferai le reste de l'arbre en accéléré. Donc on va commencer par la première branche pour voir un peu ce qu'on va garder ou pas. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de branches et là c'est très dense. Donc moi, ce que je vais vouloir faire, c'est simplifier la structure pour y voir plus clair et garder du feuillage là où je veux. Donc là, pour vous montrer, c'est un peu compliqué parce que c'est très dense. C'est très difficile de focaliser sur une seule branche. Je vais juste au moins vous montrer et vous expliquer la démarche que je vais faire. Donc là, moi, j'ai envie de garder les structures. Donc cette branche-là, cette ramification et la ramification de droite. Par contre, tout ce qui va pousser au milieu, ben, je ne vais pas le garder. Donc ça, je peux l'enlever même à la main. Hein. Ça part tout seul. Et il faut vraiment libérer jusqu'à ce que je rencontre en fait une ramification qui m'intéresse. Là, il y en a une. Donc tout ce qui est à l'arrière, je vais supprimer. Là, c'est pareil, entre la ramification. Et du coup, ça permet en fait de vraiment libérer la lecture de la branche. Vous avez une branche qui devient nue et on va pouvoir la ligaturer comme ça, proprement. Ça aide à la ligature et ça permet de faire pénétrer un peu mieux la lumière dans la structure.
Je vais faire ça partout. Je vais nettoyer les structures pour qu'elles soient nues. Je vais enlever le feuillage qui est mal placé, donc ce qui descend par exemple directement vers le bas par rapport au mouvement que je vais faire évidemment. Tout ce qui monte directement vers le haut ou qui est carrément entre deux branches, à l'aisselle des branches, tout ça je vais supprimer et ça va permettre vraiment de nettoyer un peu mieux la structure. Et comme ça, tout ce qui va rester va pouvoir être ligaturé proprement. Et du coup, après cette sélection, il restera uniquement les branches utiles et ce sera les seules qui seront ligaturées. Donc on fait ça en accéléré. Donc je vais mettre un fil tout autour. Ça c'est génial. Ça c'est vraiment l'erreur que beaucoup de débutants. Ça c'est.